partis donc en France, tous les deux faire notre cursus après un baccalauréat scientifique au collège Lamennais à Tahiti. Moi j'ai fait une école d'ingénieur à Lille. Oui, moi j'ai commencé en fait une école d'ingénieur en informatique à Sophia Antipolis en France. Nos chemins se sont recroisés à nouveau justement en reparlant un petit peu et en se demandant si justement on ne pouvait pas lancer quelque chose en Polynésie. Hein. C'est vrai que comme tout Polynésien, même si effectivement c'est intéressant de partir pour s'enrichir, que ce soit pour ses études ou une première expérience, il arrive je pense un moment où on se dit peut-être qu'on a envie de revenir sur le territoire. Et le fait de vouloir revenir ici, on a quand même cette volonté de développer à notre échelle, en tout cas à notre contribution, de participer au développement du pays. Dès le moment où on était revenu, en fait, on savait que ça allait pousser très fort. Parce que le buzz est tel autour de Tahiti sur l'iPhone qu'on sait très bien que le marché s'ouvre aussi ici pour Tahiti et que justement ça suit vraiment l'évolution qui se fait au niveau mondial. Donc, ça reste très novateur localement, même si ça n'est pas du tout en dehors. Donc on a aussi besoin, nous, d'expliquer aux entreprises quel retour sur investissement ou comment ça peut les aider dans comment la mobilité, ou en tout cas cette connectivité, change la vie des gens. Change la vie des gens et peut changer leur manière de travailler. Être entrepreneur, en fait, c'est avoir quelque part la liberté de créer, la liberté de penser à des idées et la liberté de les développer. La différence, c'est que notre hiérarchie, maintenant, c'est plus quelqu'un au-dessus de nous, c'est le client. Maintenant, c'est le client. Donc, effectivement, c'est différent. Mais en même temps, on garde quand même cette liberté puisque en parallèle qu'on travaille pour un client, en même temps, on peut très bien justement développer nos propres produits et le faire pousser. Il est important, je pense, d'innover, d'apporter une certaine plus-value parce qu'effectivement, quand on va démarcher des entreprises, il faut être capable de dénoter d'une certaine manière pour effectivement pouvoir faire impression qu'on a un projet, c'est de vouloir être constructif. Il faut de l'abnégation, je pense, il faut vraiment y croire, et puis, parce que c'est vraiment pas facile tous les jours, surtout en ce moment. Si on arrive à faire croître une société, à faire vivre une société en temps de crise, c'est le meilleur test en fait. Je veux dire, c'est facile quelque part de croître en pleine expansion, mais après, il arrive forcément un moment où il y a une crise, et c'est peut-être là le retour sur bâton, il vaut peut-être mieux justement ça avoir le vécu d'avoir résisté pendant la crise pour se dire que en temps normal on a la place pour grandir et pour croître.